Face à Omicron, tous les pays ne sont pas égaux, continent africain en tête. Un manque de moyens généralisés qui ne l'aident pas à sortir de cette nouvelle vague. Pour pallier à cette situation, l'Afrique bénéficie de différentes aides internationales, dont le programme Better Together, soit Mieux Ensemble. Une initiative dont Israël fait partie. Par son billet, l'État hébreu a ainsi pu fournir du matériel de protection et entre 2 et 4 tonnes d'équipements médicaux sur les multiples territoires. Dans les colis, des bouteilles d'oxygène ou encore des respirateurs artificiels destinés à aider les malades. Des cas graves, très présents dans les hôpitaux, mal ou peu équipés. Masques, gants et gel hydroalcoolique font aussi partie des différents lots, tant d'objets qui permettent à la population de se prévenir du virus. Une prévention également médicale. Fin novembre, Israël avait annoncé qu'il ferait don de millions de doses de vaccins AstraZeneca à ces pays. Début janvier, 10% de la population du continent était entièrement vaccinée, contre seulement 3% en octobre 2021.